Château de Joux, la grossiste tombeur. Alors on est deux percussions et DJ. Donc la grosse percussion, la grossiste en DJ. En fait, notre démarche musicale, c'est de partir entre le continent africain, les Antilles, l'Amérique latine, dans ces grands orchestres des années 50, 60, 70, 80, et de faire le pont entre ces différents styles, ces différents univers musicaux. À la base, donc, moi je suis animateur radio depuis 25 ans d'une émission qui s'appelle Blague Voices. Et là aujourd'hui, on va vous faire une heure de sélection. On va rendre hommage à Toussaint Louverture par des biais totalement différents. On va être pas mal dans les musiques haïtiennes. Mais là, on était par exemple au Cap-Vert. On va partir également en Côte d'Ivoire, dans les musiques congolaises. Et on va faire vraiment ce lien de cette musique métissée qui est influencée par l'histoire, qui est influencée par la mémoire. Et là, on va continuer donc notre sélection à Haïti, avec ce qu'on appelle du compa, c'est plutôt le style des villes haïtiennes. We'll be right back.
Haïti Chéri, on était dans ce qu'on appelle le compas haïtien. Musique également d'exil, musique de cette diaspora haïtienne présente au Canada, aux États-Unis, en France, qui a dû quitter Haïti dans les années 70. Et ce titre, il raconte justement l'exil, mais il raconte également l'importance des ancêtres, avec ce lien également avec le vaudou, on en reparlera tout à l'heure sur d'autres titres. Et là, on va partir en Guadeloupe avec ce qu'on appelle du groka, avec le tambourka, les lewos donc de Guadeloupe, musique à la fois spirituelle, engagée, militante. Et on continue donc cette sélection du Black Voices Combo. Thank you.
Et là, on était parti à Haïti. Et là, on est dans un autre style que le compas. C'est ce qu'on appelle la rara musique. C'est la musique donc vaudou d'Haïti, mais là, on remixé avec une sonorité un peu plus moderne et actuelle. Mais cette musique, elle remonte à plusieurs centaines d'années. Elle a commencé donc au moment donc de l'époque de l'esclavage. Et ce type de rara donc, de bolo bolo, c'est vraiment plutôt la musique des campagnes à Haïti. Et lors du carnaval, vous avez des rassemblements et des manifestations de joueurs donc de rara avec différents instruments à la fois percussion et des cornes qui permettent d'avoir ces sonorités qu'on retrouve un peu sur ce morceau. On va continuer dans la musique haïtienne également avec un titre de rara mais qui part dans le zouk avec une chanteuse et on partira après encore dans d'autres univers dans les Antilles années 70 et 80.